Bonjour les amis. Alors, cette petite vidéo, c'est pour que vous nous aidiez. À savoir, j'aimerais traduire pour les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, énormément de personnes dans les commentaires, en arabe aussi. J'aimerais commenter, j'aimerais trouver des gens. Des contributeurs, comme Google appelle ça, comme YouTube appelle ça, afin de traduire. Alors, vous voyez, ici, vous avez mon site et en dessous, vous avez donc les différentes vidéos. Alors, là, je vais mettre en dessous tous les liens pour le faire. Vous avez la contribution, etc. Ça explique tout. Ici, après, ça nous donne la liste de toutes les vidéos et vous pouvez mettre à côté donc contribute, vous voyez, action. Et là, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez. Et si vous êtes fluent en anglais, que vous parlez bien le français pour pouvoir bien le traduire, dans quelques langues que ce soit du monde, il y en a 160, je crois. Eh bien, ce serait super si vous pouviez traduire mes vidéos pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, qu'est-ce que j'ai après? Ici, vous voyez dans Help, vous avez instructions pour éditer, Video Manager, enfin, vous avez absolument tout. Et de nouveau, les contributions une fois que c'est fait. Et là, dans Vidéo, vous avez toutes mes vidéos. Et vous pouvez choisir, bien évidemment, celle que vous avez envie de traduire. Voilà, et eh bien écoutez, j'espère que je vais trouver du monde et qu'on va arriver à faire quelque chose. Merci encore et à demain. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu angoissante pour moi, puisque demain matin, 7 h du matin, mon fils vient me chercher. Je vais à l'hôpital et j'aurai mon examen, ma prise de sang et je verrai le médecin. Et dès rentrée et dès que j'en saurai un peu plus, je mettrai mes résultats online et suivant ma tête, eh bien vous saurez tout de suite s'ils sont bons ou mauvais. Merci encore pour votre aide, votre gentillesse, votre... Je sais plus comment le dire, tellement c'est. Ça m'aide à vivre. Vous êtes fantastique. Merci encore. Au revoir.